Bonjour et bienvenue sur Comme d'habitude Gaming en compagnie de Knarfang pour un nouvel épisode de East Shade. Je voulais attendre vos retours, etc. Mais non, je tourne ça tout de suite après le 2. J'ai même rechargé l'épisode pour essayer de récupérer une toile et j'ai même une bonne nouvelle pour vous. C'est que si vous cherchez un peu plus profondément dans le vieux Lindau, vous pourrez trouver même une toile par terre et deux cagettes supplémentaires. Donc j'ai dû un peu retourner la zone. J'ai un peu tout retourné, mais j'ai pu faire une toile supplémentaire. Et du coup, bah là, j'ai beaucoup de toiles, hein, puisqu'il m'en reste 3, quoi. Il m'en reste 3. On est bien. Très bien. C'est quoi ces... D'accord. Ah, c'est peut-être les objectifs principaux. Donc, bah écoutez, j'avais l'intention de nous peindre gentiment ce truc avant qu'il fasse trop nuit. Pour le pêcheur. J'ai sauvegardé avant. Pas de soucis. Allez. C'était quand même très moche. Du coup, je sais même pas si j'ai eu à récupérer les plumes. Ah non, j'avais déjà bouclé sa quête, c'est bon. Donc, on va pouvoir retourner voir le pêcheur. I'm so good at flapping my wings. Oh, au secours. En plus, ils ont capturé la voix du gamin dans un niveau de saturation absolument horrible. Bon, je sais pas ce qu'ils avaient comme micro, mais ça saturait à mort. Yo, pêche-moi. Well, looky here, you've gone and painted the gazebo view. Are you willing to sell it? Ah oui, j'accepte, monsieur. Well, how about that? Got myself something fancy. See you around. 25. Bah écoutez, on a gagné des sous. Donc ces sous, nous allons les investir. Péage. 60. 60. La moitié de mon fric. Je paye. Oh la douleur. Ah ouais d'accord, je paye qu'une seule fois en fait pour déverrouiller la zone. Oh la douleur quoi. C'est du racket quoi. Incroyable. Ça c'est joli comme les... Oh un petit livre. On commence sur un petit livre. C'est parti. Le petit guide du botaniste Shade. Troisième édition. Crassula natantis, plus communément appelée pochaflore, est originaire de la région de Lindau. Les floraisons de la pochaflore sont hermétiques et remplies d'un mélange d'air, de sève visqueuse et de graines. Une fois maturité, les floraisons tombent au sol et éclatent en disséminant les graines. Préparer correctement la sève peut être consommée sous forme de breuvage, le fameux thé de pochaflore. L'enveloppe des floraisons durcit fortement après récolte, ce qui peut en faire des dispositifs de flottaison très efficaces. Ah ok d'accord, c'est rigolo. Cagette. Chat. Il y a des chats partout. Il y a pas un chien, mais il y a des chats partout. Bonjour. Oh, hello there. Mind the plants underfoot. What can I do for you? Que faites-vous, Shade? I spend a lot of time studying and documenting new plant life. Just yesterday, I believe I discovered a new sort of lily pad. Ah, intéressant. On va te parler d'un peu de tout, je pense, Pépé. Hein. We've got great plant diversity, and I can always get imported teas from the storehouse. We've also got more wild bloom sacks than anywhere else. Okay, never. Believe it or not, I've never been. I'm not sure Bojan would care much for the bustle. D'accord. As far as I know, he left Lindau a long time ago and never returned. Unfortunately, he and I did not get along terribly well. D'accord. T'es un mec random, quoi. Mind the plants underfoot. T'es un random pour l'instant. Après, vu que le jeu n'a pas l'air de vouloir mettre des gens parfaitement inutiles, quand ils le sont, tu peux pas leur parler. Maison d'onure. Ah. Non, monsieur, je me permets de fouiller chez vous.
Oh, ça inspire. Oh, je peux comprendre, hein, sa maison est jolie. On peut lui piquer. On peut lui piquer de plus. Ah, je suis dégoûté. Dégoûté de ma vie. Très joli. Très joli. Hein. Très agréable. Hein. Comme endroit. Ah, merci de garder de vieilles cagettes et de vieux tissus pour moi. Les bougies assez clés. Non, il faut. Quand il n'y a plus de lumière, monsieur, faut aller se coucher. Voilà. C'est bon pour votre santé. Au revoir, monsieur. tiens, il y a encore une cagette là. Et dis donc, attendez, trois cagettes, je peux encore me fabriquer une toile là. Nice. Du coup, on a un peu de toile en rab. Hein. Avec celle que j'ai déjà peinte, malheureusement, je ne peux rien en tirer. Est-ce que j'ai appris de nouveau craft? Non. Toujours que ça, ouais. Ça m'a rien appris sur les poches à fleurs blanches là. Les poches à fleurs. Oh. Et ben voilà. Quand on vous disait que ça flottait. Ça charge un peu. D'accord. Vous allez bien. Of course. Quoi te voici? It is a broomstick, Ralph. I did. D'accord. I might, but only if you meet the right requirements. My only requirement is that you be my friend. One of my best friends, to be exact. Don't be hasty. We've only just met. There are some things I need to know about you first. Très bien. Is your favorite color? Ton coup préféré est orange ou jaune? Or yellow? Orange. I see. Now, if you had to choose between eating slugs or cakes, which would you eat? Tout le monde te dira des gâteaux. Maybe I can make you some slug cakes. This next one will be tricky. If you saw a frog stranded all alone on a lily pad, what would you do? Je partirais à sa rescousse. I wouldn't have expected that kind of dedication from you. I feel as if I have come to know you very well. Would you agree that we can be friends now? Oh, wondrous! Here, now we can sit on rafts together. You'll need some twine to keep it all together. I don't know how to make that, but Owner has a lot of it. You also need wax, and that's very hard to find. Sometimes the stale candles. But don't tell Owner! D'accord, c'est rigolo. Et non, t'es sérieux, j'ai vraiment une quête là-dessus. Arrête de poche à fleurs. Un type étrange de l'un m'a appris à fabriquer un modèle très particulier de radeau à base de poche à fleurs. Cela nécessite pas mal de ficelles, mais il m'a dit qu'Onur devait pouvoir m'aider sur ce point. Ah, bah, allons apprendre une recette à base de franges de racines. Je veux que ça, hein, sinon on va pas faire ça avec des bouts de bois. Hello again. I overheard your conversation with Bodan. He'll be so excited to have you as a friend. He's a very special individual. There's no one who loves rafting as much as he does. Though he can be difficult at times, he's a kind soul. I appreciate your cordialness. Comment pourrais-je fabriquer de la ficelle? Ah, a blossoming botanist, I see. To start, you'll need some roots. You can find them at the bases of trees. I can show you how to make twine, but it is a process. I see you're a painter. I would so love some artwork in my home. I'm quite partial to sandy beaches. What do you say? If you make me a painting, I'll teach you how to make twine. Yes, I look forward to seeing your work. Très bien. Mind the plants underfoot. Faut que je trouve une plage de sable, en sachant que du côté de l'Indo, il y en a pas. Donc, bah on va continuer notre petit bonhomme de chemin. Pas de raison. Continuons notre petit bonhomme de chemin. Une autre maisonnette. Intéressant. Ah.
que ça saccade beaucoup. Alors ça c'est vraiment... ouais, c'est un défaut de chargement du jeu en fait. En fait c'est pas... c'est pas mon PC, parce que moi je vois mon processeur en fond. Et ouais, vous allez avoir aussi les petites saccades, sauf si vous avez bien sûr un monstre, je pense, graphique. Hein. Mais à partir du moment où vous n'avez pas un monstre graphique, vous allez avoir ces petites saccades liées au chargement. Hop. J'ai mis un truc à ramasser derrière. Je fais le tour. Et c'est des cagettes en plus. Non mais, je suis un monstre du montage. Hein. Il se rapporte au plumage. C'est fou ça. Bon, par contre, c'est joli. Hein. Putain, le jeu est très joli. Enfin, en couleur, tout ça, c'est très agréable. Protégé par la loi, ne pas cueillir ni arracher. Chardons noirs des Shade. Ah! Oh! T'as pas le droit de cueillir des chardons noirs. On va savoir ça. Et ici aussi. Ouais, ouais. C'est protégé par la loi, on n'a pas le droit. D'accord, très bien. Allons visiter cette petite maison. La plage peut t'attendre. Il y a sûrement une caisse à chourer. Eh, hey, il y a une petite caissette à chourer. Ça, c'est beau, ça. Bonjour, madame. J'espère que de toute façon, vous n'avez pas besoin de cette cagette. Oh, je suis un ramasseur de cagettes. C'est un peu comme le ramasseur de palettes à une époque, vous savez, les mecs ou les jeunes livreurs, souvent, qui ramassaient... ou les jeunes manouvriers qui ramassaient les palettes et qui les ramenaient, en fait, à des centres pour les récupérer. Pour faire de la récup, tu récupérais 10 balles par palette, donc quand t'en ramenais 10, t'étais content, quoi. Tu gagnais 100 balles, et 100 francs, c'était beaucoup. 100 francs, bah, c'est 100 euros aujourd'hui, hein. Donc, t'es content, quoi. I saw some birds flying around 50 balles, 50 euros, moi. They were so graceful. I especially like the ones that do this. Ooh, ooh. What a fun way to talk. D'accord. Des possédés, hein. Fancy, fancy city folk. But they do buy my pots. D'accord. Bye now. Excuse-moi, tu m'as filé quoi comme quête là? Vraiment? Un oiseau rare, Annika, une femme qui vit juste au sud de grand ombrage, a exprimé son intérêt pour un oiseau au ululement caractéristique. Ça sent la peinture que je vais être obligé de me coltiner. Sauf que, attends, je peux peut-être me faire une nouvelle toile maintenant. Baf! Allez, je suis un monstre. Ah, j'ai débloqué Carpenter. J'ai fabriqué beaucoup de toiles. Qu'est-ce que c'est ça? Qu'est-ce que c'est ça? Chapeau d'encre. De l'encre s'en écoule et est en train de tout tacher. D'accord. Trouver un champignon magique. Voilà, je fais un petit tour vite fait dans Mère Nature pour voir s'il y a un truc. Voilà, il y a de la racine évidemment. Tard, une fois que j'aurai appris à fabriquer de la ficelle, je vais pouvoir en fabriquer mais à l'infini. À l'infini. Ah, on part là. J'ai vu un petit phare, un petit truc comme ça. Je pense que ça peut être intéressant d'aller jeter un œil. Oh, le jeu qui charge, au secours. Ah. Une autre maison par laquelle on peut accéder par une ficelle, quoi. J'avoue que c'est un des œufs. Bon, j'ai le droit de prendre des œufs. Une nouvelle fleur. Attends, c'est quoi cette fleur? Parce que je... faut que j'arrête. Le chardon noir, d'accord. Celui que j'ai pas le droit de ramasser. Nice. J'avais pas le droit de le ramasser. Qu'est-ce que j'ai fait? Je l'ai ramassé. Est-ce qu'on peut monter par là? Non, on n'a pas le droit. Ça, c'est bon, ça, on a le droit. C'est une racine nulle. Ouais, ouais, c'est de la gringalherbe. Gringalherbe. D'accord. Bon, ça c'est de la racine, ça c'est grand ombrage. Ah mais c'est le fameux grand arbre. Suis-je bête? C'est le fameux grand arbre qu'il faut peindre pour notre maman. Attends. On a dit je le verrai quand je... Hein. Voilà.
Alors attendez. Je peux faire ça. Bougez pas, ça arrive. Je vais quand même piquer tous les chardons, hein, du coup. J'ai commencé, je vais tout chourer. Hein. Rien à faire. Voilà. Ben voilà. Ça, c'est un beau spectacle. Voilà, donc on veut... je sais pas si on veut t'affronter des ans pour autant. Ouais, comme ça. Ah, moi, j'aime bien la petite rivière qui s'écoule. Hein. Je trouve que c'est trop stylé. Si vous pouvez avoir un petit peu de frondaison, genre comme ça. Nickel, on va ça. Voilà, ça c'est pour maman. Vous avez peint un des lieux favoris de votre mère. Mettez ce tableau à l'abri dans le menu peinture. Voilà. C'était quoi les autres d'ailleurs? C'était les romans, les Riflandes. Et les rues de Nava normalement. Si j'ai pas oublié, c'est ça. J'ai oublié, on jettera un coup d'œil à l'occasion. Donc il y a un joli manoir là-haut, je viens de voir aussi. D'accord. On a passé un pont, nouvelle région, nouvelle plante. Wow. Arrête de saccader le jeu. Ce jeu en fait qui charge les petites textures une à une, j'ai l'impression. À la recherche d'une plage. Bonjour. 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 Avez-vous remarqué comme ces poissons sont nombreux et s'en battent les fesses de votre vie? Voilà. Comme vous en battez visiblement énormément des miennes. De la mienne. Donc allons-y, on va monter ça. Tuc-tuc. Zigzagon par ici. Et on a une petite tour là. On peut rentrer. Tour médiane. Oh. On peut rentrer. Oh, ça rame. Arrêtez de ramer. Ah, c'est la tour qui est raccordée à notre ami le piaf écrivain. D'accord. Ok. Et qui est raccordé donc à grand ombrage. C'est très bizarre cette histoire de cordage qui se rapporte au plumage. Moi, ça me perturbe. Hein. Et bon. Donc on a une tour médiane. On a une jolie vue d'ici, mais j'ai pas à la peindre donc. Donc on va s'en passer. Vas-y, charge le jeu. Ah, ah oui. Le jeu en PLS. Oh là là, le jeu est vraiment en PLS. Qu'est-ce qui se passe? On va aller faire un petit rafraîchissement vidéo. Vous allez voir, regardez, ça va être bien. Ouf, descend en médium s'il te plaît. Retour. Applique. C'est mieux? Il me fait respirer un peu le jeu. Non, je pense que c'est la mémoire cache qui est en train de bourrer parce que deux enregistrements d'affilée du coup. Deux enregistrements d'affilée sans pause. Il me dit non, j'ai pas aimé. Il me dit j'aime pas très beaucoup ça. Bon, on n'avait pas même pas lâché une petite fleur à récupérer là en bas de la colline vraiment. Retourner vers sa maison à l'autre cloche là. Je pense qu'il n'y a vraiment pas du tout moyen de monter dedans. Oh, ça c'est l'oiseau. Oh, ça c'est l'oiseau. Est-ce que tu attends pour volume ou toi l'oiseau? Ouais, reste calme, reste calme. Keep calme. Endobody explose. Je vais te peindre aussi parce que j'ai du coup un peu de toile en rab. Hein.
Hein, ça fait rien de ma part. Hop là, excusez-moi. J'ai encore une toile après celle-là. Eh bien, très bien. Bonjour. Bonjour. Fais un petit refais-nous un petit mouvement d'aile, s'il te plaît. Allez, le style ou le style? Paf. Allez, ça c'est pas pour l'autre clochard qui a rien demandé. Voilà. Moi j'aime quand je me donne la possibilité de peindre. Enfin, là en fait c'est dommage, il me donne pas réellement la possibilité de peindre. Ça en vrai, en fait il me le dit sans me le dire parce qu'il me colle une quête. Il dit, tiens mec, t'as une quête de ça. Donc tu vois, hein, tu vois ce que tu peux faire, tu vois ce que tu veux faire, mais bon globalement la seule chose que tu sais faire c'est peindre. Donc voilà. Tu n'as pas la possibilité de chasser et tu n'es pas. J'ai Orpailleur en tête mais c'est pas ça, t'as l'atoprax. Non taxidermiste. Et pas taxidermiste, donc voilà. Nombre de solutions un petit peu restreintes. Oh des nounours. Sûr que vous êtes des gens qui possédaient des bougies. Vous avez des têtes à avoir des bougies, hein. Voilà. Qu'est-ce que c'est que ces conneries? Arrêtez ça tout de suite. Les bougies sont interdites par la loi. Welcome to K&K Apothecary, the finest source for all your medicinal tincture needs. If you hear of anyone looking for an apothecary, send them our way. D'accord. Ah ouais, really, just send anyone our way. It's been so long since we've had a single customer. Ah ouais. Donc vous êtes les meilleurs, mais vous avez pas de clients, quoi. We've got the best herbs and potions in all of Eastshade. Tell your family, your friends, and random acquaintances to come here for all their apothecary needs. D'accord. Alors c'est très marrant l'effet de zoom derrière. On a les reflets qui bug un peu quand ça zoome dans la discussion. C'est assez cocasse. Bon, ceci dit, toujours pas de plage. Hein. Là, la nature sauvage. Sauvagement la nature. J'ai bien peur que cela ressemble à une nuit. Pas perdu du tout, calmez-vous. Vous mentez. Je vous sens extrêmement médisant. Oui, un peu de combat. Là, en vrai, il faudrait que j'arrête de papillonner pour le coup. Hein, que je commence à me trouver un abri parce que sinon, ça va mal tourner cette histoire. Oh, joli. Joli. Très joli. Bonjour. Beautiful place to come and think, wouldn't you say? Bel endroit, effectivement. This place will always be closest to my heart. My husband liked to come out here and fish. We spent many nights camping here in the brushwood. But now old Pops is doing his best to tarnish my fond memories. Voyons. Old Pops is a fish, the biggest fish in the lake. Et que vous a fait ce poisson? What didn't he do? This fish has haunted my dreams for, oh, what seems like ages. Old Pops, that evil fish, he has it out for me, I'll have you know. I was out on the boat with my husband, Farid, an anniversary camping trip, when Old Pops leaps out of the water and snatches my wedding ring right off of my finger. It's not the first time he's pulled something like this. He's taken glowstones and bracelets. Sneakiest thief on the islands, that fish is. Well, some of those folks might be trying to cover up the fact they misplaced their precious items. It's easy to blame it on a fish. But he really did eat my ring. People round here talk about old Pops like he's some sort of magical
fish with healing properties or some nonsense. They say when you stare old Pop straight in the eye, he conjures an image of what you want most in this world and makes that thing seem real to you, as real as day. Say, what would old Pops make you think of? What do you treasure most? Adventure? Painting? A memo! A memo! That's admirable, traveler. Most important thing in the world. Ah, my Farid. What would I do without him? That's enough reflecting for the time being. You and I, people of action. I don't suppose you'd be willing to help me get my wedding ring back. Ah oui, ça peut se faire. Ouais, vous êtes sûr qu'il n'y a pas de risque? Of course, he's a big old fish, but you're strong. Will you get that ring for me? Oui. Excellent, excellent. Old Pops, better watch out. Our new traveler friend is a-coming for ya. You got a fishing pole? You're not gonna be catching old Pops without one. Maybe not even with one, that floundering foe. No doubting you could find one in Nava if you've got some glowstones to spare. C'est ça, c'est Coco qui paye. I don't know too much about him, other than he's a big one. Betting he's a sandfish by the size of him. You stay careful round old Pops, you hear? He has it out for us, especially boaters and fisher folk. D'accord, intéressant. Je qualifierais cela d'intéressant. Très bien. Eh bien, courons dans les bois, hein, tant que le loup n'y est pas. Puisque si le loup y était, il nous mangerait, bien évidemment. Parce que bien sûr, le loup, il est comme tout le monde, quoi. Il a faim, il veut manger, quoi. Logique. Ça se récupère pas. Ça, c'est un caterpillar. Miroir de Midibidibulo. Hein? Clic. Miroir de Midibidibulo. Attends. C'est quoi le vrai nom du machin? D'accord, on n'oubliera pas. Quand le ciel retrouve son bleu, que le soleil brille de mille feux, faisant fuir l'ombre du jour, ma lumière apparaîtra, mais surtout ne tardez pas, car je m'éteins quand l'air flamboie. Observez bien et suivez les instructions. Pas par une, mais par deux fois, la lumière brisera sa réflexion, alors la vérité pourra jaillir. Jolie toile sûrement, mais c'est pas le moment. Voilà, c'est ça, exactement, c'est pas du tout le moment. Boire tout de suite mon truc. Oh merde. Et merde. Et mince. Je sais même pas ce que j'avais ramassé. C'était quoi ce truc que j'avais ramassé? Du coup je vais repop à l'auberge. Attends, ça va backdash toutes mes sauvegardes? Non. Si. Ah, d'accord. Ok. 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 Bon bah je pense que c'est un bon moyen de faire une pause. Du coup je me suis fait avoir encore sur mon... Ça, c'est j'ai bu mon truc mais je l'ai perdu. Belle mentalité, bravo. Charger la sauvegarde automatique, ce serait celle-là. Ah non. Alors ça c'est la manuelle save et... Oui c'est celle-là. Ah c'est mort. C'est mort, c'est mort. On s'est fait avoir par le jeu. Dommage. Et bah sauvegardons manuellement. Et puis c'est une bonne manière de mettre fin à la vidéo. Bah je vous remercie, c'était Knarfonk sur Comme d'habitude Gaming pour East Shade. Et je vous dis à la prochaine. Ciao.